sur les choix à faire pour le futur. Ça va vraiment m'aider. Voilà, c'est un stage convivial et amical. Ça donne une belle énergie. Une belle énergie. Voilà, le stage est plein de belles surprises, d'ouverture, de compréhension de fonctionnement. Voilà, on a eu pas mal de choses pour se régénérer, se découvrir, avancer. C'est la proposition large spectre d'outils et de domaines abordés. Et j'ai eu la confirmation, c'est des sujets compliqués, mais qui sont abordés de façon simple. Donc c'est un stage qui peut s'adresser à tout le monde. Des personnes qui sont en questionnement sur leur vie, le sens de leur vie, aussi bien que des personnes qui sont sur un chemin spirituel, et ça peut leur apporter une confirmation, un étayage avec des outils simples à mettre en place, ancrés dans le quotidien. J'ai trouvé qu'il y avait un bon enchaînement des différents temps de la journée, donc un continuum, et que chaque, que ce soit les marches, les ateliers, les réflexions, les méditations, tout en fait s'emboîtait pour créer un schéma, une trame cohérente. Alors, après le stage, je me sens bien. Voilà. Je me sens relaxé, je pars avec plein d'énergie. Si vous avez envie de vous reconnecter à votre être intérieur, faites le stage de Jérôme, il est super. Vraiment. Vraiment. Merci, Carole. Donc, qu'est-ce que tu as préféré dans le stage? Allez. La relaxation, la détente complète du cœur, l'amitié entre tous, la synergie du groupe, l'envie de recommencer. Bah non, mais attends, on est là pour ça aussi, pour partager. Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans le stage? C'est terrible. Attention, c'est filmé. Alors, ce que j'ai le plus aimé dans le stage, déjà le partage, il est vraiment très très fort. On vient tous d'horizons différents et on a tous retiré notre étiquette sociale. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait pour être juste des individus qui ont envie de partager ce moment ensemble? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi que le mental, dès le départ, bouton on-off, et je suis restée en bouton off, et ça, je ne pensais pas du tout que c'était possible de pouvoir arrêter le mental grâce à toutes ces pratiques que tout le monde a découvert. Cool. Voilà, donc super. Puis beaucoup de rire, beaucoup d'échanges, pas de prise de tête, et puis super, super.